Salut tout le monde, c'est Alex le serveur et nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo. Alors je dis nous parce que je suis plusieurs dans ma tête évidemment. Pour une nouvelle vidéo de Final Fantasy 9, on était devant la tornade du désert de Vubi. Et ma foi, il est temps d'y aller pour aller au village de Clara. Voir ce que ça donne. Donc comme d'hab, Ségolina et Balkany de l'autre. Enfin d'un côté, pardon. Et Macron et ses amis de l'autre. Le sable est calme. Qu'est-ce que ça cache? On verra bien, avance! Tu as raison, allons-y. Le sable est calme, c'est quand même la tempête. Hein. Alors, il faut que je retrouve ce que je faisais comme voix. C'est toujours le jeu à chaque fois, j'en parlais sur Twitter avec je ne sais plus qui la fois dernière. Qui me disait que la voix de Toto était validée. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à faire la voix de Toto, vous en souvenez. Hein, je me suis vraiment niqué la gorge pour le faire. Alors, la voix de Martine, ça faisait un truc comme... Dépêchons-nous, allons manger. Pas du tout, c'était pas du tout ça. Allons manger de bonnes choses. Miam. Voilà. Un truc un peu canard. Voilà. Miam, miam, miam. C'est difficile. Wow. Qu'est-ce que je fais? Allez. Bon, ça, il fallait le faire. René. Ok, René de tes cendres. Oh. Oh, bien vu. Botte magique. C'est bon. Ah bah très bien, des troubles. Je ne sais pas ce que ça fait des troubles. Ça va être ici. Voilà. Des troubles protègent de confusion. Bah c'est très bien ça. J'aime tellement ce gameplay. Bon, c'est un peu étrange qu'il n'y ait pas d'ennemis dans le coin. Oh mais et, ils sont super vicieux hein. Franchement. On voit le découpage de l'arbre sur le décor, c'est un peu bizarre. Dun, dun, dun. Bah, tant de générosité. Éther. Je regarde dans le trou d'abord. Toujours regarder dans le trou. Bon bah on y met la main alors. Le sable s'écoule. Donc un passage s'est ouvert. Ah bah tiens mais j'ai pas été voir. Ah merde, j'aurais peut-être dû rentrer là-dedans avant. Si ça se trouve j'ai englouti. Ah mince. Attends. Non c'est là où j'étais. Pige plus. Ah si, il y a des ennemis, tiens. Ils ont mis longtemps à attaquer. Alors. Oh là là, bonjour. Ah, il y a le cœur à attaquer aussi. Donc j'imagine que le cœur est plus fragile. Oh, il est mignon! J'avais pas vu une petite tête, petit cœur, Simoun. T'es en transe? Bah ouais, mais ouais. Alors, comment on fait pour passer à un autre personnage? Non, ça c'est Otto. Ah merde. Oh, j'adore le costume de Quina en transe. Oh non, il est déjà mort? Ah non. Bayrou, mets-toi en défense. Essaye de le manger, mais ça marchera pas évidemment.
Qu'est-ce qu'il fait? D'accord, il le fait revivre, j'imagine. Impossible d'avaler, ok. Bon, très bien. Oh là là, Martine et sa petite bonhomie. Oula. Il aime bien contrer. Alors si vous savez comment passer d'un personnage à un autre, je suis preneur, parce que je n'y arrive pas. Si d'ailleurs, si c'est possible d'ailleurs. Oh, il va tuer Martine. Connard. J'aurais dû faire stock plutôt que défense d'ailleurs, mais bon. Voilà. Ça, c'est réglé. Ouais, la fin de ses coups à 704 là, waouh. Agressif. Ah, Lupin pour Macron, très bien. On va soigner un petit peu. Alors, non, équipement d'abord. Sur la mid-dague, très bien. Donc, d'abord le canif, hein, comme il est plus faible. Oui, je commence par les équiper des armes plus faibles, forcément. Sinon, pour avoir des problèmes quand on va avancer dans les niveaux. Plein de PV, Najat. Ok. J'espère que je n'ai pas englouti de trésor, du coup. Ah. Une tente. Oh! Ah bah c'est con, j'aurais pu utiliser mes potions. Fichtre. Piu, mock post. Merci de m'avoir apporté cette lettre de Atra. Alors, c'est affreux, des monstres sont venus détruire la ville. Ils portaient tous un chapeau pointu. Je ne comprends pas, mais quel est leur but? Attention, Magna, il te faudrait déménager tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe à Bloomessia? Viendront-ils aussi attaquer cette ville? J'ai peur de rester ici, Kubo. T'as pas de courrier? Ok. Ah. Fourchette plus. J'imagine que... que ce que tu as en ce moment, Martine, c'est quand même mieux. Ah oui, la mitraite. Je sais même plus comment je l'ai obtenue. Alors il paraît que j'ai aussi loupé la moitié de la ville de Traîneau. Je
je pense avoir tout exploré. C'est Erwan qui me l'a dit. Bah, il faut que je... Ouais, bah, je regarderai. Bizarre cet escalier qui monte nulle part. Canne de feu. Je crois que Bayrou n'a pas fini avec sa canne de glace. Effectivement. J'espère qu'il y aura brasier plus dessus. Je pense que c'est le principe de la canne de feu. Je suis déçu d'avoir soigné mes personnages pour rien en plus. Quoique. On n'est pas encore au bout. Ah, il y a un petit coffre là, je le vois. Si j'y arrive. Voilà. Desert Boots. Ok. Germina, pote magique. Germina, Coraline. Eh ben, on verra pour plus tard. Les bottes du désert. Mide gilet. Tout doux. Ici. Ah, auto-potion. Waouh. Ouais, ben priorité au petit sorcier. Ça, c'est super. Super. Ah, ce principe d'équipement, de compétences, ça me fascine complètement. J'attaque tellement. J'attaque. J'aime tellement ça. J'attaque aussi. Cannibale sur la pyrale. C'est un joli Pokémon, hein, cette pyrale. On dirait presque l'évolution de Larvipul, j'ai oublié son nom. Chrysapile. Bon, presque, hein, parce qu'il est beaucoup plus beau que Chrysapile. Hein. Il n'y a pas à tortiller. Chrysapile est très très moche. Chrysapile 7ème génération, hein, si vous ne voyez pas qui c'est. Tu te calmes! Il va me tuer Martine. Non, c'est bon. Ah zut. Je fais que ça, essayer de l'affaiblir, mais... Correcteur S, qu'est-ce que ça peut être? Oula! Qu'est-ce qu'il m'a fait? C'est quoi cet état? Erwan, j'ai besoin de ton aide, je ne sais pas ce que c'est que cet état. Elle a l'air déprimée. Faut affaiblir, oui, je vais affaiblir. Défense. Vol au cas où. Donc, je vais l'affaiblir avec Bayrou, avec des petits coups de canne, petit à petit, comme ça. Pas une maxi hein, quand même. Non, ça va. Ah, elle va se régénérer cette conne. Oui, alors par contre, tu vas me bouffer toutes mes potions là si tu continues quand même. Hein. Donc, c'est sympa auto-potion, mais. Arrête de te soigner! Pas faire genre petit coup. Ça, c'est comme les Pokémon, hein. C'est, il faut pas trop frapper, sinon ça va pas du tout. Tu ne peux pas le capturer s'il est KO. Ce qui est pas logique.
Je veux... Ah ! A pris Pacao. Bravo, bravo Martine. Je ne sais pas ce que c'est que le Pacao, mais... Pacao, ça ne met pas KO. Martine nous fait une dépression. Alors, état. Je... Oui, d'accord. Ah, voilà. Embrouille. Ça fait quoi, embrouille? Je sais pas ce que ça fait. Bah, j'ai un désembrouille. C'est mal rangé. Auto, merci. Soigne d'embrouille, d'accord. Désembrouille. Compétence de Martine. Applique vie en cas de KO. Eh, c'est pour soigner. C'est pour ressusciter, mais c'est formidable, Martine. Tu mérites des bisous. Je rêverais de faire des bisous à Martine. Ah, tiens. Une potion, d'accord. Je pensais que le bon chemin était à droite. Il y a un autre chemin par là. Ok, là, c'est juste une sortie. On va éviter de tomber dans les... Voilà. Parce que je pense qu'on... Sinon... Oh, merde. Putain. Est-ce que c'est... J'ai l'impression que c'est le bon chemin en fait. Je dois peut-être faire demi-tour pour voir... J'ai dû louper plein de trucs là. Parce que je pense que là on va arriver à Clara. Bon. Parce que j'ai pas envie de me repointer là-bas après. Explorons tant qu'on y est, hein. Par là, y'a rien. Ah! Je. Passer de l'autre côté. Non! J'étais! Putain! Mets-moi à droite! Bordel! Voilà. Oh purée de bon sang. Putain, non mais sérieux. J'aurais dû désactiver la course automatique pour ce passage. Oh putain. Pardon pour ma vulgarité. Voilà. Je jure beaucoup, faut que j'arrête. Donc, ok. On va aller voir. Les autres chemins à droite. Donc là, il y avait un trésor. Tout au fond. Tout au fond, il y a une route aussi. Paramite. Ça se met où déjà? Déjà, c'est pas tout le monde. Ah là là. Ah voilà. C'est un gant. Eh bien, très bien. Il n'y a que Najat ici qui peut le porter. Du coup, ok. Il y a tellement de chemin. Ah, mais en fait... D'accord, il n'y a rien ici. Très bien, ok. D'accord. Et c'est là que le coffre va s'engloutir devant mes yeux. Non, c'est bon. Ah non, par contre, oui. Non, par contre, je peux y accéder maintenant. Ok, allez, je vois. Le coffre que je pouvais pas prendre là-bas. Enfin, la montée que je ne pouvais pas prendre. Je vais pouvoir la prendre. Très bien. J'espère que j'ai pas englouti de coffre comme ça avec mes conneries de sable. Erwan me le dira de toute façon pour me faire culpabiliser au pire. Non mais traîneau, vraiment, j'ai... pour moi j'ai tout fait. Je ne comprends pas. Élixir. Oui, je souffle. J'ai le droit de pas être enthousiaste face à un élixir. Oh putain, j'avais oublié que j'avais ça à refaire. Ok. Voilà, c'est bon. Alors, le 12 aussi, Final Fantasy 12 va ressortir sur Steam normalement, donc on se le fera aussi, mais je crois que je ferai le 7 avant quand même. Hein. Priorité.
Le 7 et le 8, bien sûr. Et le 10, tous. On en a encore pour une bonne quinzaine d'années ensemble, hein, mais bon. Dame Najat, je présume? C'est bien moi, mais... Nous vous attendions. Comment me connaissez-vous? Le souverain de Blue Messia nous a demandé de vous attendre et de vous accueillir. Le roi est-il sain et sauf? Conduisez-moi jusqu'à lui. Ce sera un honneur. Macron, je vais voir le roi. Profitez-en pour vous reposer un peu. D'accord. Par ici, je vous prie. Souhaitez-vous que je vous fasse visiter la ville? Allez, si vous voulez bien me suivre. Je vais chercher à manger toute seule. Miam. Ah, va faire tes conneries. Petite Martine. Tu t'as appris pas KO, donc à partir de là, je te vénère. Voici nos réserves d'eau. Je vous dirai plus tard comment nous faisons pour avoir de l'eau à cette altitude. Par ici, je vous prie. J'aurais peut-être dû dire non pour la visite. Soit dans Pokémon, premier village où il dit « Ah, ça c'est un centre Pokémon ». Voici l'endroit le plus animé de notre ville, bien qu'aujourd'hui il n'y ait que peu de monde. Par ici, je vous prie. Oui, je parle beaucoup de Pokémon, je sais. Mais je suis très excité par le prochain épisode. Même si les Pokémon sont moches. Ah, tapez Dantikris. Comme dentifrice, mais C-R-I-2-S-E. Tapez Dantikris, c'est un nouveau Pokémon. Et dites-moi à quel point il est moche en commentaire, s'il vous plaît. C'est grâce à ces éoliennes que notre ville connaît la bénédiction de l'eau. Elles fonctionnent grâce à la tempête et font monter l'eau de la surface jusqu'ici. À présent, laissez-moi vous montrer notre belvédère. Ce belvédère est notre lieu de méditation. Nous venons y regarder notre tempête protectrice et lui adresser nos prières. Pour finir, dirigeons-nous vers le grand temple. On dirait le... Oh, j'avais jamais remarqué. On dirait tellement le temple sur... Bessaïde, l'île de départ de Final Fantasy X. Enfin, c'est moi ou... Erwan me dira, il connaît très bien Final Fantasy X aussi. Ça y ressemble trop. Voici le grand temple, résidence du grand prêtre qui nous apporte la paix. J'ai l'impression de voir la même architecture, c'est trop bizarre. C'est ici que le roi de Blue Messia reçoit Dame Najat. C'est aussi dans le grand temple qu'est gardée la harpe incrustée de pierres magiques dont la magie engendre notre tempête protectrice. La visite est terminée. Merci, wow. Et dans mon point de départ, super. La visite se termine ici. Super. Merci. Un autre à dire? Il y a longtemps que nous n'avons pas eu de visiteurs, tu m'étonnes. Je vais lui demander de me remonter la ville. Me remontrer la ville, pas me remonter. Bien sûr, t'as que ça à foutre. Alors. La Lille. Oh, active time rate, y'a rien à manger. Ah, bah, Martine. Bon, y'a absolument. Rien à manger dans cette ville, miam. Oh. À Alexandrie, il y a le Queen's Mill, miam. À la porte sud, ils ont la tarte maroilles, miam. Une gemme. Je ne sais toujours pas à quoi ça. Ah, peut-être pour les invocations. Ah, je crois qu'il y avait un délire comme ça, plus tu as de gemmes, de ceci, de topaz, de grenat, de machin, parce que c'était basé sur grenat du coup, l'idée des gemmes. Et du coup, plus tu en as, plus certaines invocations sont plus puissantes, il me semble. Ne rejetez pas. Bon, ça c'est pour l'autre, évidemment. Bibi. Bayrou. Oh, un monstre à chapeau pointu. Ne vous approchez pas de nous. Je le savais, t'es venu nous agresser. Oh là là. Et qui c'est qui va devoir arranger les choses encore? C'est moi. Et pas nombreux à être arrivés jusqu'ici. Je me demande si ceux qui sont restés à Blue Messia sont toujours vivants. C'est la magie qui crée la tempête de sable qui nous protège. Nous jouons de la harpe incrustée de pierres magiques et exécutons des danses sacrées pour l'entretenir. Youpi Yukaida. Ok, donc là on est là. Thor. Quoi Thor? Ce sera pour Bayrou.
ici, ta-ta-ta... On s'est rencontré à Blue Messia, non? S'il y a besoin de quelque chose, n'hésite pas. Ok, par contre, j'aimerais bien que tu me rendes mon Bayrou. J'ai pas beaucoup de sous, hein. Bah c'est tout. J'ai rien à vendre dans les objets. Y'a pas des trucs juste pour la vente. Non. Non 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 non. Ok. Ah bah dis donc, t'avais le vitrumelé à t'équiper. Et le mitrilé. Ah, un truc beaucoup mieux quand même. Aboulgils, Anthomokiller, Aboulgils d'abord. Et en plus l'objet est plus faible. Je vais vérifier quand même que tout est ok sur les capacités. Bah justement, Aboulgils, on est des thunes. Ah bah vu que je passe mon temps à voler en plus. Il le faut ça. Alors ça non, je le garde, tout doux. Fossil et Petra, Moui, hold up. Oh, je fuis pas. Donc ça c'est bien. Ça c'est bien aussi quand même. Oui, ça on s'en fout. Allez, hop, bon. Toujours ça de prix. Voilà. Ça, c'est très bien tout ça. Bah, vous m'avez foutu où mon Bayrou? Bonjour. Oh non. Visite quand même, hein. J'aime bien la façon dont on peut se servir chez les gens. Oh! Moque-t-on? De qui se moque-t-on? Didou-didou. Alors, aujourd'hui, on est le 2 juillet. C'est aussi le jour du marathon de Radio Kawa. Alors, quand la vidéo sera postée, évidemment, le temps qu'elle s'upload, ce sera passé. Ah, une lettre pour moi, tiens. Ruby, ah, je me prépare pour monter un café-théâtre, mais pour l'instant, il n'y a pas assez de comédiens pour jouer une pièce. Tu n'as pas quelqu'un à me présenter? Si les Tantalas étaient à Alexandrie, ils m'aideraient. Mais j'ai peut-être trop confiance en eux, leur sale tête serait vraiment utilisable sur scène. Je cherche un comédien? T'as pas confiance en toi, mon pauvre? Mais vas-y. Pas de courrier, ok. Donc oui, par contre, vous pouvez tout revoir en vidéo sur le site radiokawa.com, évidemment. N'hésitez pas à aller voir le quiz d'Allo Central que je présente, que je co-présente avec Antoine. Donc voilà, je vous invite à découvrir mes podcasts. Qui sont beaucoup plus entendus que mes vidéos de jeux vidéo sont vues, évidemment. Si ça se compte en dizaines. Là-bas, c'est des milliers, c'est plus sympa. Mais bon, un jour, vous serez des milliers ici aussi, j'ai encore 15 ans pour faire des vidéos. Active Time Event, non-jeu. Bibi encore. Pourquoi avez-vous attaqué Blue Messia? Pourriture! Méchant! Sale type! Allons, allons, calmez-vous! C'est l'un de ceux qui ont attaqué Blue Messia! Non, je... Waouh! Non, tu! Si cela vous intéresse, j'ai là quelques objets. Ouais, mais j'ai plus de thunes. Bientôt 100 ans que nous n'avons pas eu de visiteurs. Ah oui, donc effectivement, ça faisait un petit moment quand même. J'ai fait le tour par là. Là, je vais être sûr de rien louper. Ok. Des champignons. Ah, Martine. Des champignons. Miam. J'ai jamais vu des champignons comme ça, miam. On peut les manger. Miam, 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 miam. Êtes-vous des compagnons de cette étrange personne portant un tablier? Ah, son langage m'est inconnu, d'où vient-elle? Ouais, elle dit juste miam en plus, hein, je sais pas ce que ça donne en japonais ou en anglais. Ah, oh, mais non, je voulais pas redescendre.
Le peuple de Blue Messiah et celui de Clara sont deux peuples danseurs. Deux en chiffres, d'accord, en lettres s'il vous plaît. Mais nous avons su garder nos traditions et la magie de nos danses est plus puissante que celle des leurs. En nous laissant entrer ici, ils nous ont sauvé la vie. C'est pas évident de discuter avec les gars d'ici, mais ils sont sympas dans l'ensemble. Je vais voir si je peux choper Martine. Si y a une récompense ou pas. Non. Ok. Alors quand elle est là, les mecs sont pas là. Et quand toi t'arrives, les mecs sont là. Ok. Il y a longtemps, le peuple de Blue Messiah, celui de Clara, ne faisait qu'un. Mais pour éviter un conflit avec le peuple guerrier de Blue Messiah, nous sommes réfugiés ici. Dame Najat a laissé un message pour vous, monsieur Macron. Macron, ça risque d'être long. Allez m'attendre à l'auberge. C'est tout. Ok. Bon. On s'est tapé tant de trucs pour rien. Les visites de village, c'est bien relou. Oh. Un remède. Oh. Venez vite! Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Pourquoi cette agitation? Le fourmilion s'est emparé d'un enfant! Oh là, ça sent le boss. Le fourmilion a fait ça? Pourtant, il est calme d'habitude. Il faut faire quelque chose pour calmer ce monstre. C'est embêtant. Oh, c'est embêtant. Je vais avertir le grand prêtre plus vite. Hé, hey, attendez! On n'a pas le... C'est pas vrai! Est-ce qu'ils peuvent perdre leur temps ici? Toi, là-bas, si tu es courageux, viens m'aider. Ouais. Mais pas seul. Seul. Cool. Bon. Ah non, c'est bon, ils sont là. C'est donc ça le fourmilion. Au secours. Oh. Calme-toi, on arrive. Macron, comment va l'enfant? Ça va. Non, ça va pas. Cette voix? On dirait celle du prince Puck. Najat, ça fait un bail. Gros ao ao. Aïe. Abruti. Ah, il vient par ici. Le combat. Bon, j'imagine qu'on peut pas le manger celui-là, donc je vais pas essayer cannibale dessus évidemment. Alors il ressemble au boss de Secret of Evermore, le boss qui est sur la pochette du jeu. Si vous connaissez, c'est un action RPG sur SNES. Reverse antenne, ça fait quoi ça? Ok, des dégâts. Stock. Ah, peut-être du... Ouais, d'abord troisième œil peut-être. Hein. Puissante, hein, Martine. Ah, attends. Reverse antenne. Oh, purée, je viens de piger. Il riposte systématiquement à chaque attaque. Va tuer Najat du coup, j'imagine. Que fait... Regardez. Il va attaquer le premier. Ok, pas mal. Oh, elle est embrouillée. Parce que ça fait embrouille, hein, si vous le savez. Un petit commentaire sous la vidéo. Armée d'or. Armée d'or, ok. Je veux l'armée d'or. C'est bien, mon petit.
Tu vas me bouffer toutes mes potions, je pense. Faudra que j'en rachète, hein. Alors, il riposte pas quand c'est attaque spéciale, apparemment. Faut le rater, ça m'énerve. Eh bah, c'est l'occasion d'utiliser Pacao. Qu'est-ce que... Là, il y a eu une couille dans le potage. Alors, est-ce que j'ai mal compris le... Sirocco, dégâts tout le monde et vient... Oula. Bien, il voit plus rien. Applique vie en cas de KO. Ah, c'est juste, d'accord. Ok, c'est... Ok, donc c'est si jamais le personnage est mis KO. Une sorte de protection, quoi. Ok, je pense. Pas sur Bayrou, s'il te plaît. L'armée. J'aime bien comprendre le Pacao quand même. Mmh. Oh non, 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 non. Super. Et puis elle va riposter, évidemment. Connard. Connard à moi aussi, d'ailleurs. Vol raté, évidemment. Oui. Évidemment. Il n'y en a plus beaucoup, hein, des potions, donc là, grouillez-vous. Qui va mourir? Oui, bien sûr! Que je venais de ressusciter. Et à qui était destinée la potion? Bon, c'est bien, t'as bien visé. Je sais même pas si on peut voler avec l'obscurité en fait, je pense qu'à mon avis c'est un peu galère. Et si, on peut. Putain, Martine, t'es une victime hein, ma pauvre. Non mais ce rush des maxi potions là c'est triste hein. J'ai retiré ces points de magie, on sait jamais que son Sirocco là. Putain. La B.
blague. Enfin. C'était costaud quand même, hein. Orphée pour Najat, très bien. Comment allez-vous, prince? Salut Najat, ça fait un bout de temps qu'on s'est pas vu. Où étiez-vous? On m'a dit que vous aviez disparu de Blomessa depuis bien longtemps. Oh, ça fait pas si longtemps que ça. Le roi est au grand temple, allons le rejoindre. Le paternel est là. C'est pas la peine, dis-lui que je salue, ça suffira. Salut. Prince! Eh, hey, salut Bayrou, à la prochaine. Oh, quel sale gamin. Je préfère Bayrou. C'est mon premier ami. Je vais avec lui. Ouais, sympa pour moi, premier ami, cool. Ainsi, Puck était ici. Il est toujours le même garnement. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. J'ai entendu dire qu'il avait disparu un mois après mon départ, cela va faire 5 ans. Mais l'un comme l'autre, vous êtes revenu, alors que j'avais besoin de vous. Je vous en suis reconnaissant. Dame Najat, nous allons procéder à la cérémonie ancestrale visant à renforcer la tempête qui nous protège. En renforçant la tempête, nous découragerons nos ennemis et ils rentreront chez eux. Afin de la rendre encore plus puissante, j'aimerais lui insuffler votre pouvoir de chevalier dragon. Cette cérémonie vient du temps où Blomessia et Clara ne faisaient qu'un, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Macron, je n'ai pas su protéger Blomessia, mais je ne laisserai pas Branett aller plus avant dans ses desseins. T'as changé, Najat. Quand je t'ai rencontré la première fois, je te pensais pas aussi forte. Maître Fratley voulait que la paix règne à Blomessia et je n'ai pas pu réaliser son souhait. Tout ce que je peux faire à présent, c'est protéger Clara. Et en la protégeant, tu te protégeras toi-même. Je me protégerai. Chorégraphie. Comment ça, gigue? Ça gigue hot. Plaignez-vous aussi de mes jeux de mots en commentaire, hein, si vous voulez. Les cordes ont cassé. C'est un mauvais présage. Oh oh. Hé, hey, la tempête s'est arrêtée. Vous deviez pas la renforcer? Je ne comprends pas. Ce genre de choses n'est jamais arrivé depuis que nous sommes arrivés à Clara. D'après les écrits, nous avons incrusté la pierre magique dans la harpe. Puis grâce à son pouvoir, nous avons engendré la tempête. Quelqu'un aura voulu abattre cette barrière. C'est aussi ce que je crains. Si encore nos ennemis étaient arrivés par le tronc. Oh, m'enfermer, moi, dans un endroit pareil! Pile, face, vous me le paierez! Oh, vous m'enviez, là. N'oublie pas que c'est toi qui nous as suivis. Je veux dire, ça va
terrible d'être trahi par la reine Branett. Il s'agit sûrement d'un malentendu. Sa majesté ne trahirait pas l'un de ses fidèles serviteurs. Et vous croyez ce que vous dites? On ne sait même pas comment elle a reçu la princesse. Ah! Princesse, tenez bon, je viens vous sauver. Merde, elle aura-t-elle m'écouter? Pourquoi a-t-elle attaqué Blue Messia? Est-elle contrariée d'avoir dû me faire arrêter? C'est un peu compliqué, mais je dois tout lui expliquer. Au fait, depuis quand mère a-t-elle changé? N'est-ce pas depuis mon anniversaire l'an dernier? Ce jour-là, il y avait cet homme si grand que je n'avais encore jamais rencontré. Y a-t-il un rapport avec lui? En tout cas, je suis sûr que c'est là qu'elle a commencé à changer. Et peu de temps après, Maître Toto a quitté Alexandrie. Depuis ce jour-là, pourquoi? Sa Majesté te demande! Nous allons te conduire à elle! Comment? Vous n'êtes que des bouffons! Je vous interdis de me tutoyer! Ne discute pas! Quand nous disons que nous t'emmenons, nous t'emmenons! Dans une telle situation... Fermez-la, bande d'abrutis! Qu'est-ce qu'elle dit? Je ne comprends pas! C'est difficile à expliquer! Toujours est-il que Sa Majesté nous attend! Alors je peux pas faire les voix doubles, hein, désolé. Viens vite! Il ne faut pas faire attendre Sa Majesté! Mère? Grenat! Où étais-tu parti? J'étais si inquiète! Si inquiète, oui, je fais des liaisons supplémentaires, j'en dormais plus! Approche-toi que je te vois! Mère, j'aimerais vous poser une question. Laquelle? Tu es si mignonne, je répondrai à toutes tes questions. On dit que vous avez détruit Blue Messia. Est-ce vrai? C'est donc ça que tu voulais me demander? Mais c'est faux, Grenat! Ce sont les rats de Blue Messia qui ont voulu détruire Alexandrie. Je ne pouvais pas laisser détruire notre beau pays aussi facilement. Alors nous avons attaqué les premiers. C'est là ce que je dois croire? Bien évidemment! Tu ne croirais donc pas ta mère? Je ne peux pas croire une chose pareille. Et pourquoi donc tu oses dire que ta mère ment? Pardonnez-moi, mais puis-je prendre part à ce drame? Ce drame? Oui, la belle histoire qui se joue ici. Celle qui parle de l'amour déçu. D'un prince au blanc destrier pour une belle princesse. La beauté de la princesse se trouve voilée par le chagrin et la belle s'endort pour 100 ans. Je vous ai déjà vu? Notre rencontre est un fait du destin. Mon bel oisillon, viens à moi. Je t'emmènerai dans le monde des rêves. Oh, je m'évanouis. Je me pâme. Je le savais. Elle est si belle quand elle dort. Petit effronté! Pile, face! Préparez ce qu'il faut pour prendre les chimères à Grenat. Princesse, enfin, vous avez 16 ans. Princesse, enfin, nous pouvons vous retirer vos chimères. Chimères à la vie éternelle, chimères à la force éternelle. Sortez ici de votre sommeil de 16 années, de votre gloire, de votre libération. Le moment est venu. Odin, esprit guerrier des ténèbres, viens à nous. Ah, voilà pourquoi elle avait les invocations en elle. Et là, elle les aura plus du coup. C'est là que t'étais, Najat? Pourquoi la tempête s'est-elle arrêtée d'après toi? J'étais déjà surpris qu'elle soit là. Alors je sais vraiment pas pourquoi elle s'est arrêtée. Tu n'en sais rien? Cette tempête a soufflé sans interruption pendant près de 500 ans. C'est encore à cause de Branett. Je pense plutôt au type qui était avec elle. Celui qui était à Blue Messia, qui est-il exactement? Rien. Ne fais pas attention. Macron, je vais descendre pour essayer de comprendre pourquoi la tempête s'est arrêtée. Ça tombe bien, c'est ce que je venais te proposer de faire. On perdra moins de temps à discuter.
Je vais chercher Bayrou et Martine, on se retrouve à l'entrée de la ville. Lalali, lalalu. On a tout ce qui est soigné, très bien. On vérifie l'équipement. Bien, 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 bien. HP plus... Ouais, 10% c'est important. Les humanoïdes. Allez, je vais plutôt me mettre en attaque qu'en défense. Je retire couverture. Les volants. Voilà. Et on verra plus tard. Hop. On arrive à la fin de l'épisode. Ah, Najat, te voilà enfin. On essaie de venir avec toi. On y va. J'ai pas vu Puck. Il est peut-être dans le tronc. Oh, le sable d'ici est très doux. C'est une ville succulente, miam. Je dois récompenser leur amitié en protégeant Clara à tout prix. On va peut-être dû acheter des potions. Bref. Trois bonnes boutiques quelque part. Oh, j'ai des potions normales encore. Non, ça va. On tiendra jusqu'à la boutique. Tiens, ça s'est arrêté. Ils viennent d'Alexandrie. Oh, oh. Du, 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 du. Les petites Amazones. Bon, j'imagine qu'on peut pas manger les humains. Ah, elles sont puissantes. Bah oui. Pas de cannibalisme encore. C'est pas du cannibalisme vu qu'elle n'est pas humaine, Queen. Ah ouais, tu veux jouer à ça. Eh, mais sérieux. Martine, c'est une tueuse. Bon, avec tout ce qu'on a eu en même temps, je vais en profiter pour faire un petit point équipement. Ok. Alors. Il n'y a rien, mais il y a mieux. Attends, j'ai qu'un mitrilé. Oui, hop, bandana. Bon, déjà, ça s'améliore, c'est très bien. Potion. Alors, compétence de Martine, on va lui activer aussi autopotion. Alors, autopotion c'est 3. Tonifiant c'est pour les attaques secrètes. Mithridate c'est le poison.
Allez, en route vers le Mog. Oh là là. Pauvre con. 160 là seulement. C'est bizarre. Pourquoi elle fait des 700 des fois? Peut-être compétence secrète de la... de l'arme. Voilà. Tiens, bim. Lâche que tu es. Ah, Bayrou a pris auto-potion. Auto-potion sur le mid-gilet. Du coup, alors je te mettrai bien ça pour que... off. Je vais retirer tout ce où il n'y a rien. Et ben, il n'y a rien où il n'y a rien. Si, le vitrumelé. Bon, la boule gilet, on sait qui c'est. Non, bon, en fait, c'est bon. On puisse quand même apprendre auto-potion à d'autres personnages. Alors. Ah, désolé, je veux voler. Tabloïd. Ah bah voilà. Des troubles, bien Bayrou. Un bot magique. C'est bien que tu les laisses pour d'autres du coup, mais en même temps, les autres sont déjà bien occupés. Écoute. On verra après. Macron, attends un peu. Je trouve qu'on a croisé bien peu de soldats d'Alexandrie. Pour pouvoir parler de véritable attaque. Pas toi? C'est vrai. Moi aussi ça me paraît louche. C'est vrai! Ah non, c'est vrai! Najat, c'est terrible, la ville est attaquée! Il faut que tu y retournes vite! J'en étais sûr, mon inquiétude était justifiée. J'y retourne sur le champ. Qu'est-ce que vous attendez? Venez! On y va! Attends, il y a la sauvegarde juste là. Parfait, tout est en place.
Vous êtes donc venu jusqu'ici? Ah! Tu es exterminé. Kubo! Aidez-nous! La ville est pleine de monstres! Y en a tant que ça? Ils ne cessent de tomber du ciel! Iiii! Tu es. Ça, on peut pas les bouffer non plus. On s'en souvient, Ablomessia. Une gemme. Ah oui, violent quand même un petit peu. Ah! Point de magie, j'imagine, évidemment. Ok, elle fait 32 ou 384, d'accord. C'est un petit peu la roulette russe, quoi. Alors, j'ai vu le mock partir par là, donc je pense que... Oui, bien, il y a Steel Skin en plus. Une maxi potion, un éther et un résurrex pour 444 les 3. Ben j'achète. On pourra voyager grâce à ça. Donc la poste d'abord, lire les lettres reçues. Les tantalas. Ah mais non mais. J'ai reçu. Une lettre à Célino, évidemment. Un petit coup de tente. On laisse l'attaque pendant ce temps, on dort. Et puis, bah, on va s'arrêter là, les amis. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode. N'hésitez pas, évidemment, à aimer la vidéo. J'adore vos petits pouces bleus. Ça me fait toujours très, très plaisir. À commenter, bien sûr. Je vous invite plein de fois à le faire. Et vraiment, c'est un énorme plaisir que de répondre à vos commentaires et de voir que, bah, que vous me suivez d'épisode en épisode. Voilà, moi, je trouve ça très sympa de vous partager. Ça me rappelle quand je jouais avec mes amis, que je les regardais jouer ou qu'ils me regardaient jouer. J'ai toujours fait ça avec les Final Fantasy. C'était toujours très, très cool. À partager bien sûr et à vous abonner évidemment pour voir ce que je fais sur les autres jeux. Et comme ça vous saurez quand est-ce que je commencerai Final Fantasy 7, Final Fantasy 8, Final Fantasy 10, Final Fantasy 12, etc, etc. Donc à très bientôt pour la bataille de Clara. Merci et bonne journée.